Saint-Martin dans les Caraïbes. Une île paradisiaque, une des plus touristiques de la région. Mais aussi une plaque tournante de la drogue. Chaque année, des tonnes de cocaïne transitent à Saint-Martin en provenance de la Colombie toute proche. La zone est surveillée de près, pourtant le trafic ne s'arrête jamais. L'imagination des passeurs est sans limite, nous en aurons la preuve un peu plus tard. C'est d'ici que viennent de s'envoler deux suspects pour Paris. Deux hommes surveillés depuis plusieurs mois par les douaniers français. Allez, à tout à l'heure. Paris, siège de la DNRED, la Direction nationale des renseignements et des enquêtes douanières. Six enquêteurs sont sur le pied de guerre. Le vol en provenance de Saint-Martin atterrit à Roissy dans moins d'une heure. Jean-Marc appartient à la DNRED depuis 13 ans. C'est lui qui a repéré les deux suspects. Deux hommes déjà connus des services de police. Le premier, 48 ans, est déjà tombé pour une affaire de fausse monnaie. Le deuxième, un retraité de 68 ans, a déjà été condamné pour vol et détention d'armes. Jean-Marc est sur la piste de ces hommes depuis plusieurs mois. Planque, filature, les enquêteurs de la DNRED agissent dans l'ombre. Ils sont 250 répartis sur tout le territoire. Leur cible, les marchandises illicites. Armes, drogues, cigarettes et contrefaçons en tout genre. Leurs pouvoirs sont énormes. Ils peuvent démonter une voiture, opérer des fouilles à corps ou débarquer dans une entreprise ou un commerce à n'importe quel moment sans l'autorisation d'un juge. 6 heures du matin. Jean-Marc est en route pour Roissy. Il va tenter de suivre la trace des deux suspects de Saint-Martin. Nous pensons que les deux personnes là qui transportent ces marchandises sont de simples passeurs. Donc on essaye donc de les suivre pour essayer de remonter le plus haut possible la filière et essayer de, au moins de démanteler le réseau qui peut se trouver en France et puis essayer de remonter jusqu'au commanditaire pour essayer de remonter la filière. L'avion vient de se poser, les deux suspects vont arriver dans le hall de l'aéroport. Nous filmons en caméra cachée. Jean-Marc commence par repérer les lieux. Normalement, ils vont sortir là. Cette porte est la sortie empruntée par les touristes en provenance des Caraïbes. Au milieu de la foule, venus accueillir les voyageurs, six enquêteurs en civil attendent discrètement. Les suspects devraient sortir d'une minute à l'autre. Jean-Marc ne quitte pas la porte des yeux, c'est lui qui doit donner le signalement à tous ses collègues. Voilà, c'est celui à... Tu veux leur dire... C'est le chauve, là, le petit chauve. Voilà, celui-là, voilà. Et l'autre, je sais pas où il est. Ils se sont séparés. Attends. Une ruse des trafiquants qui se séparent toujours pour ne pas se faire prendre à deux, au cas où les choses tourneraient mal. Il arrive. Philippe. C'est celui en bleu, là. En jean clair. Ouais. Pardon. Les douaniers laissent volontairement passer les deux suspects pour remonter jusqu'à leurs complices. Vous avez vu? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en taxi, les deux, ils prennent un taxi. Ils prennent un taxi? Ouais, ils sont là, tout le temps. Ils prennent un taxi, donc toi, ils ont pas, apparemment, ils n'ont pas un contact là. Les suspects ont pris la file des taxis. Pour les douaniers, la filature continue. Prêt à bondir, mais un obstacle vient leur barrer la route. Depuis tout à l'heure, c'est tranquille. C'est au moment de partir. Voilà ce qui se passe. La navette de l'aéroport vient de s'arrêter devant leur voiture. Les douaniers sont coincés. Dès que tu peux, le mieux, c'est de s'avancer. Ouais, dès que je peux, j'avance. Le camion, il faut qu'il sorte, le bus, il faut qu'il remplisse. Les suspects sont déjà loin, mais la deuxième voiture des douaniers a réussi à suivre. Jean-Marc va tenter de rattraper le convoi. La Mondeo, vous êtes où, là? Ouais, Charles, vous êtes où? Parce qu'on reçoit rien à la radio, là. On reçoit rien à la radio. Direction Paris, hein? Ok. Ils sont pas très loin, là. Essayez de recoller. On est juste derrière vous, ici. Jean-Marc vient de rejoindre ses collègues. Il est temps pour eux de lâcher la filature. C'est Jean-Marc qui va prendre le relais.
Il retrouve le taxi sur le boulevard périphérique. Ok, direction Porte de Montreuil, périph' sud. La filature est délicate, le taxi change de fil sans arrêt. Il est passé sur la voie de la plus à gauche. Hein. Les douaniers n'ont aucune idée de l'endroit où les suspects les emmènent. Yo, on dépose rapide. Gare de Lyon, on dépose rapide. Gare de Lyon, Jean-Marc tente un raccourci par les escaliers, mais il perd de vue les suspects. Où est-ce qu'ils sont ? Personne ne... Je sais pas, je les vois pas. Ils vont arriver où ? Hein ? Oh, ils arrivent là. Les deux hommes sont en train d'acheter leurs billets. Un des enquêteurs s'est glissé dans la file d'attente. Il va tendre l'oreille pour essayer d'entendre leur destination. Donc ils ont pris deux allées pour Marseille. Les douaniers connaissent maintenant la destination, mais pas encore l'horaire. Le prochain train pour Marseille part dans une demi-heure, à 8h20. Les suspects prennent le temps de boire un café. L'heure du départ approche, mais curieusement, les deux hommes restent au bar. Le train de 8h20 vient de quitter le quai. Pour quelles raisons les trafiquants ne sont-ils pas montés à bord ? Jean-Marc se pose des questions. Ouais, c'est bizarre, il doit y avoir une raison, mais qu'on ignore. Et c'est quoi vos suppositions ? Bon, soit il y a quelqu'un, ils ont rendez-vous avec quelqu'un un peu plus tard, soit il y a quelqu'un d'autre qui va monter dans le train sur un arrêt. Ça peut être n'importe quoi. C'est ça qui est intéressant. On a beau tout planifier, ça ne se passe jamais comme on l'a prévu. C'est pas la routine, non. Même si des fois, les heures sont longues. Non, et puis c'est monté d'adrénaline au moment de la constatation, de l'interpellation, c'est quelque chose de particulier. Quoi. Parce que finalement, toutes ces heures de travail, ça, l'aboutissement, ça dure quelques minutes, quelques dizaines de minutes. Et c'est là où c'est vraiment, entre guillemets, on prend notre pied. Quoi, parce que... Mais tout à coup, les suspects se dirigent vers le quai. Putain, le départ, quelle merde. Ouais. On va faire gaffe, ouais. Maintenant, je pense qu'ils sont tranquilles. C'est sûr qu'il faut faire gaffe qu'ils ne nous voient pas 25 fois autour d'eux, quoi, mais bon. Curieusement, les hommes transportent peu de bagages pour des voyageurs qui viennent de si loin. Pas de valises, mais des cartons dans chaque main. Seuls, Jean-Marc et un autre douanier partent pour Marseille. Pour une filature dans un train, deux hommes suffisent. On va monter par l'autre côté. Ils se sont installés en bas, là. Les suspects se sont assis dans ce compartiment sans issue. En s'installant dans le wagon juste en face, les enquêteurs peuvent continuer discrètement leur surveillance. Donc on se met dans le wagon, on les voit. Ben oui. Mesdames et messieurs, les TGV numéro 6000, destination de Marseille-Saint-Charles, vont partir. Attention à la fermeture automatique des portes, attention au départ. Le voyage pour Marseille va durer 3 heures. Mais que va-t-il se passer ensuite ? Pour les douaniers, c'est l'inconnu. Ils ignorent jusqu'où les suspects vont les emmener et combien de jours la filature va durer. Une seule certitude, ils veulent aller jusqu'au bout de l'enquête. Nous pensons que les deux personnes là qui transportent ces marchandises sont de simples passeurs. Donc on essaye donc de les suivre pour essayer de remonter le plus haut possible la filière et essayer de, au moins de démanteler le réseau qui peut se trouver en France et puis essayer de remonter jusqu'au commanditaire. Donc là, voilà, c'est le but. Votre but aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que vous allez faire avec eux ? Donc on va suivre, on va voir ce qui va se passer, à qui ils vont remettre, s'ils remettent et ce qui se passe après. Savoir s'il y a encore un autre échelon qu'on peut remonter avant de les interpeller. Mesdames et messieurs, dans quelques minutes, l'arrivée du TGV à son terminus, Marseille-Saint-Charles. À Marseille, la filature continue.
Les douaniers marseillais attendent les suspects au bout du quai. Jean-Marc leur donne la description des trafiquants par téléphone. Ouais, bon, ils sont sortis là. Hein. T'as le signalement, comment ils sont habillés? Ils sont en jean tous les deux, veste et pantalon tous les deux. Et puis ils ont les deux cartons. Hein? Ouais, par rapport à vous, ils sont côté gauche. Quand tu fasses au train sur la voie où il n'y a presque personne. Les deux suspects ne se doutent de rien. Ils ignorent qu'ils sont suivis pas à pas depuis l'île de Saint-Martin. Mais il faut faire vite, les deux hommes viennent de sauter dans un taxi. Bon, on va tous monter. Vous me suivez, s'il vous plaît? Oui. Ça va, la police? Allez-y, merci. Jean-Marc informe régulièrement son supérieur de la progression de l'équipe. Oui, ils viennent de prendre un taxi. Bon, nous, on est monté dans un taxi, dans deux taxis, là, pour les suivre. Ah. Donc on est derrière, là. Ah bon? Donc on est... Ils sont là. Les deux hommes se trouvent juste devant, dans le taxi vert. Arrivé sur le vieux port, le taxi ralentit. Un douanier est déjà en observation. Il vient de repérer les suspects en conversation avec trois individus derrière ces arcades. Peut-être leur commanditaire. Ils ont un contact, là. Avec? Je sais pas, je vais aller voir si c'est quelqu'un qu'on connaît. Là, ils viennent de repartir, ils ont un vu. Non, mais ils ont pas quitté l'affaire, hein. Écoute-moi. Jean-Marc décide d'intervenir. On va les taper, hein. Dans le dos. Mets tes mains dans le dos. Allez, passez par terre, autrement, hein. Dépêche-toi. Putain, le te blanc, hein. Ok. Ah ah, beaucoup d'argent. C'est de l'argent. Ouais. C'est à vous, ça? Oui. Oui, ok. Pour les deux suspects et les trois individus avec qui ils avaient rendez-vous, c'est la fin du voyage. Viens, la voiture. Ouais, ça c'est un monsieur. Hein? Donc vous restez le sac avec la personne. Ok, bah moi je monte avec elle. Faut la mettre dans la voiture. Ça va. Les cinq hommes sont embarqués au bureau des enquêtes douanières avec leurs bagages et aussi avec les cartons qu'ils transportent depuis Saint-Martin. Arrivé au bureau des enquêtes douanières. Dans ces cartons, 13 bouteilles d'alcool. Du rhum local que les douaniers vont examiner de plus près. Et ça, c'est dans ton carton. Voilà. C'est le même qu'il a dans le sac. Il y en a dans le sac aussi. Pourquoi on ne peut pas ouvrir ces bouteilles-là? C'est pas normal, ça. C'est quoi ce... Des bouteilles bien difficiles à déboucher. C'est lequel vous voulez? Ils sont collés. C'était pour qui? Bah, les amis. Voilà. C'est pas du rhum, ça. Et l'air costaud pour du rhum. C'est là qu'on a 90 sur du rhum, c'est pas possible. Ça sent celui-là, hein? De l'alcool qui pourrait bien contenir de la cocaïne. Pour en avoir le cœur net, les douaniers vont utiliser un réactif chimique. Il faut casser les petites ampoules qu'il y a à l'intérieur. Le test réagit au bleu, donc il y a le symbole dessus. Ça veut dire que c'est de la cocaïne, qu'il y a de la cocaïne dans la bouteille. Reste maintenant à déterminer la quantité exacte de drogue. Les bouteilles sont envoyées au laboratoire. Après la marchandise, les douaniers vont s'intéresser aux suspects. Dans leurs poches, des pellicules photos, mais surtout des dizaines de milliers d'euros en argent liquide. 9, 10, 11, 12, 13, 500. Là, il y a 32 billets de 200 et un de 100.
Donc ça fait 21 000 euros en tout. D'accord. Ok, bien, bien, bien. 21 000 euros, c'est déjà beaucoup, mais ce n'est pas tout. Dans la pièce voisine, la fouille continue. Vamos a ver con usted cuánto dinero hay aquí. ¿Es suyo ese dinero? ¿Es suyo? Sí, sí. ¿Para qué es hacer eso? Es mío, personal. ¿Personal? Personal. ¿Sí? ¿Qué hace con eso? ¿No? Para viajar. Solo, para viajar. Hay mucho dinero para viajar, ¿eh? No. 60, billetes de 100 euros y 20 de 50. ¿Claro? ¿Es eso? ¿No hay problema? 79. ¿Es eso? Ok. No hay ningún problema. ¿Cuál contestación? Vale. Y 12 000 euros. ¿Es beaucoup? Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est un service qui est rémunéré. Le passage, vous voulez dire ? Certainement. 12 000 euros, probablement le salaire d'un passeur. Le prix du risque pour amener la cocaïne de Saint-Martin jusqu'à Marseille. Trois heures plus tard, le chef des recherches attend de connaître la quantité exacte de cocaïne saisie. C'est l'ingénieur du laboratoire des douanes qui vient lui apporter la réponse. Bonjour. Nous revoilà. Très bien. Voilà, Bruno, ok, quoi de neuf ? T'as trouvé, c'est de la cocaïne. Il y a de la cocaïne. De la cocaïne ? Oui. Tu évalues à quel pourcentage dans une bouteille d'un litre la quantité de cocaïne contenue ? Je pense que c'est peut-être proche de la saturation. C'est-à-dire c'est qu'un peu plus que ça. Si on en mettait plus, ça pourrait plus être dissous. D'après toi, comment les trafiquants allaient pouvoir extraire le chlorhydrate de cocaïne d'une manière. Par des solvants. Par des solvants. On a le liquide et la cocaïne qui est dissous. On rajoute un solvant, le chloroforme par exemple. Le chloroforme n'est pas miscible à l'eau et il est plus lourd que l'eau. Donc on va avoir ici du chloroforme et ici le mélange. Or le chloroforme dissout mieux la cocaïne que l'eau. Donc, on va agiter ce mélange, le chloroforme, avec la cocaïne. Après ça, il suffit de séparer, on élimine l'eau qui est au-dessus, on recueille le chloroforme, et en évaporant, on recueille la cocaïne. Au total, sur les 13 bouteilles saisies, l'ingénieur a réussi à extraire 9 kilos de cocaïne. Valeur au prix de gros, 330 000 euros. C'est un très bon coup à plusieurs titres parce qu'on a à la fois les passeurs, on a à la fois le commanditaire d'opération qui retrouve ses passeurs sur Marseille, hein, et on a à la fois les acheteurs et ces trois parties différentes qui d'habitude sont groupées, se retrouvent ensemble sur un même site à un moment opportun pour nous puisqu'on peut interpeller les trois parties ensemble. Voilà. Et ça, c'est rare d'avoir ça ? C'est relativement rare. Dans la démonstration d'un flagrant délit de ce type, c'est quelque chose d'assez rare, quoi. C'était, j'allais dire, presque inespéré, compte tenu des informations que nous possédions et qui ne nous permettaient pas d'envisager que les trois parties puissent se retrouver au même moment, à la même terrasse de café, à discuter et à finaliser la transaction finale, quoi. Argent et drogue réunis, le compte est bon. Les cinq trafiquants sont déférés au parquet de Marseille. Ils risquent une peine de 10 années de prison. La cocaïne diluée dans l'alcool n'est pas le seul procédé original mis au point par les chimistes des cartels de la drogue. Au petit jeu du camouflage, les trafiquants ne manquent pas d'imagination. Stéphane, douanier à Roissy, est un spécialiste de la lutte contre les trafiquants. Il connaît bien les combines des passeurs. La marchandise, elle peut être soit ingérée, hein, c'est ce que vous avez, ce qu'on appelle des bouletteux, des personnes qui ingèrent des quantités de cocaïne, par exemple. Ça peut être aussi sur les vêtements, ça peut être dans les choses... Sur les vêtements, ça veut dire ? Sur les vêtements, bah, caché dans les vêtements, c'est-à-dire dans une doublure. Ça peut être dans la valise par elle-même, double fond. On peut avoir aussi dans des chaussures, dans des semelles. Il peut y avoir des boîtes de conserve. C'est-à-dire que des boîtes de conserve classiques, serties, avec à l'intérieur, dans le cas présent, c'était de l'herbe de cannabis. Alors là, par exemple, je peux vous donner une prise qu'on a fait il y a quelques temps. Donc, pour vous donner une idée des moyens cachés, hein,
Donc on avait contrôlé cette personne avec cette icône. Et donc là, c'est de la résine mélangée avec de la cocaïne. On fait souvent des photos de nos prises parce que c'est bon, c'est un trophée. Le douanier, c'est un chasseur. Hein, donc si d'autres collègues tombent sur la même façon de dissimuler la marchandise, ça peut tout de suite lui donner la puce à l'oreille et dire « Ah, j'ai vu ça, un collègue a fait ça à tel endroit et c'est ça aussi. Hein, » voilà. Et l'album photo des douaniers ne manque pas d'originalité. Les trafiquants ont tout tenté ou presque pour échapper au contrôle des douaniers. Pack de jus de fruits, boules de bowling, statuettes et même tables de jardin. Des prises réalisées le plus souvent à l'aéroport de Roissy. Nous sommes dans la zone de fret, un des endroits les plus sensibles de l'aéroport. Des hangars à perte de vue remplis de marchandises venues du monde entier. Un drôle d'endroit où l'on trouve aussi bien des ananas du Bénin, du poisson fumé ou des plats préparés en provenance de Chine. L'endroit idéal pour tenter de passer discrètement des produits de contrebande. 500 douaniers sont mobilisés jour et nuit pour passer au crible les palettes. Deux hommes viennent de se faire arrêter. Ils venaient prendre possession de ces cartons que les douaniers ont découverts cachés sous du manioc en provenance du Cameroun. À l'intérieur, 2200 paquets de cigarettes de contrebande, mais aussi plus étonnant, 3500 tubes de corticoïdes, des crèmes destinées à soigner certaines maladies de peau. Mais depuis quelque temps, leur usage est souvent détourné. C'est une crème dermatologique qui est utilisée très souvent par les Africains pour traiter la peau, l'éclaircir. Mais c'est extrêmement corrosif, donc dangereux. C'est très mauvais pour la santé. Dans les papiers des livreurs, les douaniers ont découvert le bon de livraison avec l'adresse des commanditaires. Un webcafé situé dans les quartiers nord de Paris. Immédiatement, les douaniers de Roissy font appel à leurs collègues de la DNRED. C'est Alain, alias Joker, qui prend la direction des opérations. Joker est un des vétérans du service. 25 ans de maison, dont 12 à la DNRED. C'est la course contre la montre, Joker doit arriver au webcafé le plus vite possible. Joker arrive juste à temps. Devant l'établissement, une voiture garée en double file et un homme qui sort des cartons pour les entreposer dans le coffre de cette voiture. Comme s'il tenait à s'en débarrasser très vite. Regarde tes colis. Voilà. Ça va être chaud. Hein. Voilà, tiens, on va voir, rentre pas pour le moment. On va voir quoi? Mets-toi dedans. Vas-y, descends de bagnole et va jeter un petit coup d'œil. Enfin, si tu veux, Attends, moi, jette un œil d'abord. C'est bon, les gars. Mais attends, tu restes en protection. Bonjour, messieurs. C'est le service des douanes, monsieur, s'il vous plaît. Bonjour. Est-ce que vous avez des marchandises à déclarer au service des douanes? Rien? Ça, c'est de la crème blanchissante, ça. C'est de la douane. Ça, c'est de la crème pour blanchir la peau. Là, je sais pas. Vous savez pas qui c'est le propriétaire de la marchandise, hein? La voiture est à qui? La voiture. D'accord, donc ça, c'est dans votre voiture pour le moment? Ouais. Là, c'est juste un contrôle de douane, c'est pas grave. Tout ça est arrivé dans les colis, j'ai essayé de me débarrasser parce que je n'attendais pas ça. D'accord. Ça se passe en Afrique, je ne sais pas ce qu'il y avait dans mes colis. Voilà. Vous venez d'où là, directement de Roissy là, avec ça? Non, ça c'était stocké, ça c'était, j'ai reçu des colis. Dans ça? Ouais, dans ça. Oui, mais quand vous les avez reçus ces colis? Je reçois toutes les semaines. D'accord, toutes les semaines. Dans la boutique, il y en a d'autres? Non, il n'y en a plus. Donc on va jeter un œil à la boutique. Ah ben voilà, ça c'est le reste. Dans ce premier carton, pas de crème, mais des vêtements. Il vient d'où ce vêtement? New York. Vous les avez fait venir de New York? Ouais. Ok. C'est pareil. Ouais, c'est pareil. Ça c'est en plus de votre activité de téléphonie. Donc ça, vous les vendez où, là, ces fringues? Là, c'est mon frère qui m'a envoyé, c'est pour mes gars, c'est pour mes potes à moi. C'est pour les potes? Pour le moment, nous ne sommes pas là pour les fringues, il n'y en a pas beaucoup, on n'en parle plus. Pour le moment, on jette un œil à votre sous-sol. L'objectif de Joker, vérifier que d'autres crèmes ne soient pas cachées au fond de la cave.
belle face, attention. Éclaircissante. C'est interdit, ça, monsieur, hein? Mais ça relève de la pharmacie, là, tous ces produits. J'ai reçu des colis que... Eh ouais. Dans ces cartons, non seulement des crèmes, mais aussi des huiles et des savons blanchissants. Tout ça plus clair, d'accord. D'accord, d'accord. Il va falloir faire venir le camion. Voilà. Monsieur, vous trouvez quelqu'un pour manutentionner là, tous ces produits-là, pour les monter? Hein? Vous saviez que c'était interdit de détenir ces produits? Je ne les fais pas dans ces produits. Je ne sais pas d'où ça vient, ces produits. Les cigarettes, hein? Cette fois-ci, il ne s'agit pas de corticoïdes, mais de cosmétiques utilisés eux aussi pour se blanchir la peau. Des crèmes qui contiennent de l'hydroquinone, une substance chimique interdite en 2001 par l'Union européenne, elle provoquerait des cancers de la peau. D'accord, mais ça, vous partiez où avec ça? On essaie de les détruire. Ah, vous partiez les détruire, là, tout de suite. D'accord. J'ai eu tellement ça dans mes trucs que je ne coupe pas avec tout ça. Ça vous prenait trop de place, ça? C'est pas que ça me prend trop de place, c'est que ça arrive, je sais pas ce que c'est. D'accord, donc vous préférez le jeter? Voilà, si c'est dans mon travail, j'aurais vendu. Si ça va pour moi les vendre, j'aurais vendu. Là, c'est sûr. Hein. Joker n'en saura pas plus pour le moment. Il décide de saisir la marchandise. C'est pas appétissant, hein? C'est le moins qu'on puisse dire. C'est pour mettre sur la figure, hein? Le webcafé cacherait donc un commerce clandestin. Pire encore, il écoulerait des produits dangereux pour la santé. Le dossier sera transmis à la justice. Le propriétaire du centre risque une amende qui peut monter jusqu'à 5 fois la valeur des produits saisis. Soit dans ce cas précis, 85 000 euros. Ce trafic de crème blanchissante est en pleine expansion. Depuis quelques années, la tendance au sein de la communauté noire est à la peau claire. Et tout est bon pour y parvenir, même les produits les plus dangereux. Nous sommes à Château d'Eau, dans le 10e arrondissement de Paris, le quartier des salons de coiffure afro et des boutiques de cosmétiques. Ici, les crèmes blanchissantes, tout le monde connaît. Il y a un problème de complexe. Il y a des gens qui aiment bien s'éclaircir la peau. Il y a des gens qui ne supportent pas être noir, avoir une peau noire. Hein. La plupart du temps, c'est à cause des hommes, hein, ils font ça. Parce qu'il y a des hommes qui préfèrent les filles claires, donc si toi tu es noire, tu t'éclaircis plus, voilà. Ton mari t'aime plus la plupart du temps. Hein. Moi, je suis claire de nature, mais je me rends plus claire encore. Vous mettez des crèmes? Oui, hein, oui. Maintenant, c'est fini, je m'en vais. C'est pour votre homme? Hein? C'est pour plaire à votre mari? Oui. Je préfère quand une femme a une peau plus claire, un peu plus claire, quoi. C'est mes fantasmes, en général, quoi. Il n'y a pas de produit dangereux dans votre crème, hein? Je n'en sais pas, je m'en veux payer, je ne sais pas. Que ce soit dangereux ou pas, ce n'est pas vraiment important. L'essentiel, s'il y a un résultat à la fin, c'est bon, quoi. À l'hôpital Saint-Louis, à Paris, le docteur Petit, dermatologue, est un spécialiste des peaux noires. Les photos prises sur ses patients ne laissent aucun doute sur la dangerosité de ces produits. Ça, c'est un homme qui a des vergetures. Ça pourrait être des vergetures banales, mais en l'occurrence, c'est des vergetures liées à l'utilisation de corticoïdes. Alors c'est les crèmes à la cortisone qui donnent ces vergetures, et là sur une peau qui est assez dépigmentée. Ça c'est avec quel genre de produits éclaircissants qu'on obtient? C'est avec les produits à la cortisone, qui sont toute une série de produits qui représentent, à mes yeux à l'heure actuelle, les principaux fauteurs de troubles. Et c'est de la cortisone un peu moins forte, mais avec un antibiotique comme dans celui-là. Voilà donc pour les crèmes à base de cortisone. Mais les cosmétiques qui contiennent de l'hydroquinone sont presque aussi dangereux. Donc là, vous avez des taches à l'hydroquinone. Ça, c'est des mouchetures qui sont, sinon indélébiles, du moins très difficiles à faire disparaître, même quand on arrête les produits, quoi. Ça, c'est un autre aspect qu'on voit qui est dû à l'hydroquinone. Donc ce sont des gens qui utilisent de l'hydroquinone depuis très très longtemps pour se dépigmenter. Et l'effet obtenu est un effet inverse, on voit des taches noires comme des petits grains de caviar qui font des sortes de petites boules de pigments dans la peau. Et ça, c'est une catastrophe esthétique. Hein. Il y a beaucoup de femmes qui sont très au courant des dangers des produits éclaircissants et qui expérimentent elles-mêmes les complications. Et qui, malgré tout, continuent, c'est tout le problème de ces produits. C'est qu'effectivement, une fois qu'on a commencé, on a du mal à s'arrêter.
Interdite à la vente, ces crèmes circulent pourtant sous le manteau dans les boutiques de cosmétiques afro. Et il est très facile de s'en procurer. Nous sommes cette fois dans le quartier de Château-Rouge, dans le 18e arrondissement. Un quartier habité essentiellement par la communauté africaine. Notre caméraman d'origine antillaise et sa cousine Sophie commencent leurs emplettes munies d'une caméra cachée. Bonjour, est-ce que vous avez des produits éclaircissants ? Le commerçant propose d'abord une pommade à base de plantes, autorisée, mais semble-t-il pas très efficace. Ça donne un joli teint. Ça donne un joli teint. Et c'est pas dangereux ? Non, c'est base de plantes maintenant. Qu'est-ce que vous avez qui serait un petit peu plus fort ? Plus fort, c'est Aïcha, tout ça, c'est hydroquinone, c'est dangereux. Est-ce que vous en avez ? 10 000 euros amende, hydroquinone, vous voyez ? 10 000 euros d'amende ? Voilà, ils ont vu dans la marché ici. Un des commerçants du quartier vient décoper d'une amende de 10 000 euros. Apparemment, la sanction a refroidi ses voisins. Pourtant, il suffit d'aller quelques rues plus loin pour trouver les produits interdits. Bonjour. Vous avez des produits éclaircissants ? Qu'est-ce que vous désirez comme produit ? Non, mais lequel ? Parce qu'il y en a pas mal. Vous avez... Mon ami m'a donné les noms. Ah ben voilà. Souvenez-vous, ce flacon orange, exactement le même que celui trouvé par les douaniers dans le webcafé. Un produit interdit et dangereux, pourtant vendu sans aucune mise en garde. Merci, bonne journée. Au revoir. Même chose deux rues plus loin. La commerçante va même recommander tout particulièrement une crème à base d'hydroquinone. Bonjour. Comment tu cherches avec le... Donne-moi les sodas. Je cherche avec l'hydroquinone. C'est 2%. C'est bon pour toi. Voilà, merci. C'est ça, c'est bon. Pour moi, voilà, c'est sûr. Voilà, c'est pour toi, c'est ça. C'est bon. Ça donne comme marron, comme bon thé. Bon, et c'est combien ça ? Ça, c'est 6,90. Tu prends ça, les huiles, tu te mélanges. Les femmes ne sont pas les seules à se blanchir la peau. Moi, je viens des provinces, d'ailleurs. Je viens ici, et j'achète et puis je rentre chez moi. Bah, je suis abonné ici. Il y a pas de point. Je pense bien que ça va marcher. Merci. Bon, merci. Allez, au revoir. Sur les flacons, les étiquettes ne sont guère explicites. Impossible d'y lire la quantité d'hydroquinone. Avec le docteur Petit, nous avons voulu connaître le taux exact d'hydroquinone contenu dans ces crèmes. C'est Patrice Bélanger, pharmacien à l'hôpital Saint-Louis, qui réalise les analyses. Nous avons choisi les crèmes les plus vendues dans les boutiques. Parmi celles-ci, les flacons orange saisis par les douaniers. Quelques heures plus tard, les résultats tombent. Les deux crèmes trouvées par les douanes dépassent les 8% d'hydroquinone, un taux énorme. En plus des crèmes, nous avons également fait analyser une huile éclaircissante. Cette fois, les fabricants ont daigné inscrire la composition sur l'étiquette. Officiellement, cette huile ne contiendrait aucune hydroquinone. En fait, analyse à l'appui, elle en contient plus de 16%, un record. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. En tapant le mot « crème éclaircissante » sur Internet, nous découvrons qu'il existe une usine en Île-de-France qui fabrique des crèmes à hydroquinone. Ce laboratoire, le voici. Nous décidons d'interroger le responsable. Oui, bonjour madame. J'aimerais parler à monsieur s'il vous plaît. De la part. Ghislaine Buffard, journaliste pour l'émission Zone Interdite sur M6. Ne quittez pas. Allô ? Oui ? Oui, ça ne l'intéresse pas du tout. Qu'est-ce qui ne l'intéresse pas ? Bah, de discuter avec vous. Et vous a donné une raison ? Non, c'est que ça ne l'intéresse pas du tout. Mais c'est étonnant, il ne sait même pas ce que je veux. Bah, il n'a pas envie de répondre à quoi que ce soit comme question, il a plein de travail. Écoutez, je vous remercie. De rien, au revoir. Apparemment, le directeur n'a pas très envie de communiquer. Pourtant, sur le plan juridique, ce monsieur n'a rien à se reprocher. Il est absolument interdit de vendre des crèmes à hydroquinone en Europe, mais il n'est pas interdit de les fabriquer pour les vendre en dehors de l'Europe. En clair, cela signifie que le texte européen protège les Noirs d'Europe contre les risques de cancer, mais pas les autres. En 2004, la douane a saisi plus de 15 000 crèmes éclaircissantes. Pour Joker, cette affaire est terminée. Mais une urgence l'attend à Roissy,
Un voyageur en provenance de New Delhi a été arrêté avec plus de 2 kilos d'héroïne. Les douaniers ont proposé au passeur de coopérer pour remonter la filière. Il a accepté de jouer le jeu. C'est d'autant plus dans son intérêt que le service arrive à interpeller les personnes qui ont commandité l'opération. Disons que les peines seront d'autant plus allégées si on arrive à voir les commanditaires. Arrivé dans l'aérogare. L'héroïne vient du Pakistan, un des plus gros producteurs mondiaux. Valeur marchande, plus de 150 000 euros. C'est Stéphane qui a arrêté le passeur. Un homme aux allures de retraité, au-dessus de tout soupçon. Pas de problème. Il a proposé apparemment une somme de 30 000 euros pour faire le passeur. Apparemment, c'est un habitué. Il a une carte de fidélité dans une compagnie aérienne. Donc, c'est quelqu'un qui fait souvent les voyages. Puis, on le voit à son passeport aussi. On sait qu'il y a les moyens de savoir qu'il a fait plusieurs voyages. Dès qu'on l'a palpé, bon, il a avoué tout de suite. Il a vu qu'il était pris. Donc, là, il n'était pas très bien, quoi. Et je pense qu'il a senti que c'était assez grave pour lui. On procède à la visite à corps. Donc, il avait un dispositif à corps, comme ceci. C'est-à-dire qu'il avait un premier caleçon dans lequel il avait. La marchandise, comme ça à l'intérieur. À l'intérieur du caleçon. Et pour maintenir ça, il avait mis par-dessus encore une cuissarde. Si vous l'entourez sur un mollet bien plaqué avec ça par-dessus, ça compresse vraiment la chose sur le mollet et avec un pantalon bien large, ça passe tout seul. Qu'est-ce que c'est en fait ça, ce truc blanc ? C'est une genouillère à la base. À la base, c'est une genouillère qui est utilisée donc pour bien plaquer la marchandise sur ses mollets. Le passeur devait se rendre Gare du Nord pour prendre contact avec ses acheteurs. Avant de partir, Joker veut s'assurer qu'il est toujours d'accord pour aider les douaniers à faire tomber la filière. Ok, on va s'entretenir vite fait avec lui là. On l'amène tout de suite au médecin, comme ça. Ouais, ok. You speak English. Ok, so it's better for you. Now we are going to go to Paris, ok? And we try to see Mr. You know him? Like this? You can recognize him? Yes, if you see him, you recognize him. But you are supposed to arrive to Gare du Nord and you are supposed to go to an hotel. That's all for the moment, ok? Ok, so if you want to go to the doctor, and then after we go to Paris, ok? Le passeur se montre coopératif, mais il a tout de même demandé à voir un médecin. Sans doute une ruse pour essayer de gagner du temps. Mais les douaniers n'ont pas le choix. En France, la loi autorise les prévenus à voir un docteur. La voiture, elle est juste devant. Elle est devant. Une demi-heure plus tard, la visite chez le médecin est terminée. Le passeur a donc épuisé toutes les possibilités pour gagner du temps. Maintenant, il lui faut suivre les douaniers. You know, it's very better for you if all is right. If we catch, Mr. the friends of Mr. it's very better for you. You know it, yeah? Okay, because for the moment we have 2 kilo heroines and we have only you. If we have someone else, it's better, okay? And I need my jacket. Yes, you take your jacket. Il veut s'habiller là, ouais. Take your jacket, yes. Le passeur doit s'habiller exactement comme à son arrivée. Pour ne pas éveiller les soupçons des acheteurs, tous les détails comptent, même une simple cravate. Soit exactement comme il était quand il est arrivé, qu'on l'a contrôlé. Je pense souvent il peut y avoir des signes distinctifs. Si par exemple il recherche quelqu'un avec une cravate jaune et qu'il ne la porte pas, on n'aura pas de contact au niveau de la Gare du Nord, donc c'est pour ça. Yes. You do your best and we do our best for you, ok? Allez, so we have no more time. L'homme est enfin prêt, direction la Gare du Nord, où il va servir d'appât afin d'intercepter le reste du réseau. Ok, so, we go? Yes, ok. When we are Gare du Nord, you keep cool, ok? You don't try to escape, no need. Ok? But we trust you. It's impossible to escape. Yes, I know. You know. Old man, so why? You know as well as I, it's impossible for you to escape, so it's better not to try, ok? Action, ouais. Parce qu'à ce train-là. Il a de quoi manger comme ça, au cas où. Allez, sir, hurry up, we go now. À toutes.
Oh. Si, tac, 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 tac. Ok, it's better, it's better. Dans la voiture, le passeur a des sueurs froides. Il sait qu'il risque gros, les trafiquants n'aiment pas les balances. Un enquêteur tente de le rassurer. It's our job, okay? We are the big service of customs in France. Okay? We know how, what to do. Okay, no problem. Be cool. L'homme doit retrouver ses acheteurs vers 11h30 à la gare du Nord et il est déjà 11h15. Pas de temps à perdre. Oh, ça, this way. Tu passes devant, Hervé? Gare du Nord, Joker retrouve ses collègues pour une dernière mise au point. Le scénario est simple. Le passeur devra retrouver les acheteurs exactement à l'endroit prévu. C'est-à-dire le long des voies du Roissy Rail, le train qui relie Roissy à la gare du Nord. Une douzaine de douaniers est mobilisée sur l'opération. Je suis là. You follow these two people. And we are 4, 5, 6 away. A little far. OK? You wait a little and you go to the hotel. And after we see. OK? Il est un peu anxieux, là. Ben oui, là, c'est la phase opérationnelle. Il commence à se demander s'il risque pas pour sa vie. Il est un petit peu anxieux, mais on le sera moins, je pense. Il est la demi. Il faut 10 minutes pour y aller. Donc on arrivera à moins 20 à 40 là-bas. On reste un quart d'heure sur le quai. Un quart d'heure, on sort direction l'hôtel rue de Saint-Quentin. Le top départ est lancé. En jargon douanier, on appelle ce type d'opération une livraison surveillée. Une technique couramment employée par les enquêteurs. Le dispositif est en place. Philippe marche devant comme n'importe quel voyageur. Derrière lui, le passeur vêtu d'un imperméable beige. Tout autour, les autres douaniers disséminés dans la gare. À première vue, les acheteurs ne sont pas au rendez-vous. Mais les douaniers gardent un œil sur le passeur qui pourrait profiter de l'occasion pour essayer de se faire la belle en sautant dans le RER. Il y a juste un truc à voir, c'est qu'il ne sorte pas dans un métro, quoi. Il faudrait monter avec, hein. Et le ressortir assez vite, quoi. Pas l'air d'être le genre du non, bonhomme. Non, voilà, tout à fait. On part du principe qu'il collabore et qu'il est conscient que son intérêt, c'est qu'on aboutisse. Donc, à partir de là, il y a une part où on lui fait une relative confiance. Hein. Tout à fait relative, mais bon, c'est comme on lui a dit, hein, c'est dans son intérêt là, que ça se passe au mieux. Quoi, hein. Ça doit être un cas de conscience pour lui parce que... Eh oui, il est tiraillé entre beaucoup de choses parce que si jamais il fait tomber des gens, ça peut se retourner contre lui assez vite aussi. C'est pour ça qu'il est tiraillé, c'est sûr. Le passeur n'a pas tenté de s'échapper. Il n'a pas non plus rencontré ses acheteurs. Reste un petit espoir pour les enquêteurs, l'hôtel dans lequel le passeur avait réservé une chambre. C'est peut-être là que les membres du réseau vont essayer de le contacter. L'hôtel est à quelques pas de la gare. Là, je crois qu'on est arrivé au bout, là. Dans la mesure où on n'a pas la certitude qu'il a été vu par quiconque. Tu vas faire la traduction, ouais, 111. 111, ok, ouais. You didn't see anything? Nothing you saw. Pour cet homme, l'aventure touche à sa fin. Une aventure commencée il y a quelques jours à New Delhi. Ah, merci. I was in big problem, the business collapsed. I tried my best to go through for business, but everything is dead and dead. So then he knew my business is finished almost.
So he came several times to... He proposed you? Yeah. 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 C'est pas la peine. Y'a que nous qui savons guider. Did you think a long time before say yes, I tried? Of course, I think a long time. Une heure d'attente et toujours pas d'acheteur. Les douaniers décident de lever le dispositif. Le passeur aimerait maintenant connaître le sort qui va lui être réservé. I want to know the reality. I catch with the drugs. Yeah. I try to find the person who motivate me for this business. Mm. Couldn't find. Mm. So what happened maximum with me? Can you tell me? As a result, we have 2 kilos of heroin on you for the moment. So you must try to help more. How I can help? I don't know. It's you. It's you, no, not me. I want to know the reality. What happened with me exactly? After customs, you go to police, and then you go to the jail. How many years maximum, the French law, how many? I don't know. It depends on the police after customs, on the judge. Eh? It depends on what you can help them. If you help them more than us, it's better for you. Il aura toujours l'occasion après, après la procédure douanière, s'il y a des choses qui lui reviennent, de pouvoir parler à la police. Avant d'avoir fini la procédure, il a téléphoné. L'opération est terminée. Pour les douaniers, c'est un échec. Joker essaye de comprendre pourquoi. Then you think there was somebody to the airport? Yeah, maybe I go immediately outside. They follow me and I can. Do you think someone could be waiting for you to the airport? That is true. Yeah, donc c'est ce qu'il dit. Il y avait une bougie éventuellement à l'aéroport qui le regardait sortir. Oui, mais une bougie. Dans le jargon des douanes, il s'agit d'un guetteur mis en place à l'aéroport par les trafiquants. Sa mission, surveiller la sortie des voyageurs. Si le passeur est bloqué en douane, la bougie donne l'alerte et les acheteurs préfèrent alors tout abandonner. Le passeur se retrouve donc seul dans les mailles du filet. Les douaniers vont maintenant le ramener à Roissy, où il sera remis à la police qui poursuivra l'enquête. Héroïne, produits dangereux, cigarettes, cocaïne. Pour démanteler les réseaux et déjouer les ruses des trafiquants, les douaniers suivent une formation spéciale enseignée ici, à l'École nationale des douanes de La Rochelle. Cette semaine, 14 enquêteurs de la DNRED sont en stage. Des jeunes douaniers. Moins de 2 ans d'expérience dans un service de recherche. Après, t'as la compensation exceptionnelle, ça mettra un peu plus de temps. Au programme, de la théorie, mais aussi beaucoup de pratique. Ce sont les aînés qui sont chargés de leur apprendre les ficelles du métier. Philippe, enquêteur à la DNRED depuis 24 ans, est un spécialiste de la lutte contre le trafic de diamants. Aujourd'hui, il prépare un exercice de perquisition. Le scénario est très simple. Un diamantaire dissimulerait des pierres précieuses à son domicile. Des pierres que le diamantaire aurait fait entrer clandestinement en France sans en acquitter les taxes. Philippe va équiper un appartement des douanes situé dans le centre-ville de La Rochelle. Les marchandises qu'on dispose pour cet exercice, bon, donc de l'argent, voilà, et différents lots de diamants et de pierres qu'on va cacher un petit peu partout. Donc il faut qu'on trouve un petit peu qu'on trouve des caches. C'est vicieux ça, non ? Un petit peu. C'est le but. On va leur faire le coup de la poubelle, ça c'est classique. On met... Voilà. Voilà. On met la poubelle dessus. C'est une cache qu'on a trouvée très très fréquemment. Parce que les gens partent du principe que plus c'est sale, moins on va fouiller. Donc il faut qu'on apprenne aux stagiaires justement d'aller où c'est sale et d'avoir, disons, le courage de mettre un petit peu les mains dans la merde. Donc la poubelle, on va la laisser comme ça et demain matin, on emmènera des détritus, qu'elles soient bien pleines, qu'elles soient bien odorantes et on verra s'ils vont à la poubelle. On avait trouvé d'autres caches aussi, c'est mettre des diamants dans les glaçons. On a fait le coup des diamants dans les glaçons parce qu'on a déjà eu ce genre de cache dans le milieu asiatique, dans les bijouteries asiatiques. On avait trouvé ça dans les glaçons. Il y avait vraiment une seule chose dans le congélateur, il n'y avait que des glaçons. Donc on a eu c'est peut-être l'instinct, bon, on a fait fondre des glaçons et effectivement on avait trouvé des diamants.
Mais autant leur faire voir des choses qu'on a déjà vues. Hein. Tant qu'on peut leur faire partager ce genre d'expérience, bon, ben c'est tant mieux pour eux. Le lendemain matin, début de l'exercice. Les stagiaires vont commencer par l'interpellation du soi-disant diamantaire. C'est un douanier qui joue le rôle. Ok, reçu. Bon, là. Oui, la donne. Pourquoi ? Un instant. Au secours ! Au secours ! Mais non, monsieur, calmez-vous. C'est un contrôle des douanes. On va poser des... Écartez les bras. Il y a top interpel. Vous avez une carte? On a nos cartes, monsieur. On procède à un petit contrôle. Est-ce que vous avez des marchandises particulières sur vous? Absolument pas. Non. Alors qu'est-ce que j'ai commis comme crime? On va vous expliquer tout ça. Vous allez nous suivre. Lâchez ça aussi. Sébastien, le stagiaire responsable du dispositif, entre le premier. Vous avez un chien ? Non, pas de chien. C'est lui qui va diriger la VD, la visite domiciliaire. Une perquisition en langage douanier. Très bien. Sébastien commence par fouiller les poches du suspect. Un papier de soie attire son attention. Dites-moi, il s'agit de pierres apparemment précieuses, hein ? C'est quoi, monsieur ? C'est... Oui, diamants. Ce sont des diamants, d'accord, ok, très bien. Mais est-ce que vous avez les documents qui accompagnent ces pierres ? Je n'ai pas les documents. Et pourquoi vous n'avez pas les documents ? Je n'ai pas les documents, parce que je ne me trimballe pas avec les documents. Et vous devriez ? Je devrais. Donc, on a 5 diamants. Je vous notifie l'infraction douanière, hein, de détention irrégulière de marchandises soumises à justificatif. Il est 14h05, donc on vous place en retenue douanière. On va procéder à une visite domiciliaire de votre appartement. Hein ? Allez, on rentre. Attends. Hop, on va arriver là. Les stagiaires vont maintenant tenter de découvrir les autres pièces à conviction qui ont été dissimulées dans l'appartement. Rien dans les coussins. Ils s'attaquent maintenant à la pendule. Souvenez-vous, Philippe avait caché une liasse de billets à l'intérieur. Perdu, le stagiaire ne trouve rien. Le deuxième stagiaire n'est guère plus perspicace. Sébastien examine la boîte de médicaments. Apparemment, rien de suspect. Il décide de tout remettre en place. Mais regardez bien, sans s'en apercevoir, il va ranger le papier rempli de diamants avec les médicaments. Une faute professionnelle grave. Si les diamants sont égarés, c'est toute la procédure qui tombe à l'eau. On a un petit souci. Sébastien vient de s'apercevoir que les diamants ont disparu. Il doit absolument les retrouver. Bon, monsieur Delorme, oui. Les diamants, ils étaient là. Reprenons. Vous les avez pas vus ? Ah non. Vous avez pris, attendez. Ouais, mais on les a posés là. Bon, monsieur Delorme, levez-vous, venez. Allez, on refouille. Sébastien soupçonne le diamantaire d'avoir subtilisé les pierres précieuses. Éclair de lucidité, il pense quand même à vérifier la boîte de médicaments. Vous n'êtes pas levé pour les... Ah non. Pour les, je prendre. Je n'ai pas une langue de caméléon. C'est bien, c'est pour voir que vous suiviez. Mais vous voyez, il faut toujours regarder la marchandise, parce qu'elle était là, mais dans la caisse. Non, mais attendez que ça soit clair, monsieur. Oui, je maintenant, la marchandise est sous votre responsabilité. Mais bien sûr, entière responsabilité. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5 diamants. Donc moi, j'avais 5 diamants, il y a 5 diamants. Ben, il y a 5 diamants. Tout à vous, monsieur Delorme. Venez, hop. La procédure peut suivre son cours. Direction la cuisine. Alors, ici. Les stagiaires inspectent la poubelle sans trouver les billets. C'est Sébastien qui va se montrer le plus astucieux. Ah, bon, alors, monsieur Delorme. Oui. Vous êtes un sacré lascar, vous. Ah, vous avez trouvé mes pierres.
Moi, je pense que vous êtes de mauvaise foi, parce que je vous ai demandé si vous aviez des marchandises. D'accord. Vous m'avez dit que non. Je vous ai demandé si on allait trouver des pierres. Vous m'avez dit que non, et on en trouve. Très bien. Donc, je considère que vous êtes définitivement de mauvaise foi. D'accord. Fin de l'exercice, la visite domiciliaire a porté ses fruits. De nouvelles pierres précieuses, de l'argent liquide, les preuves s'accumulent contre le diamantaire. Vous êtes assez nombreux. Mais Philippe n'est pas satisfait pour autant. Soyez méthodique dans une VD. Parce que tu as vu les diamants, tu l'as accusé d'avoir fait disparaître les diamants, alors que c'est toi, complètement bêtement, qui as tout rangé, hein, voilà, et hop, ils ont disparu. Les diamants, est-ce que tu sais, à l'heure actuelle, sans hésiter, où ils sont ? Dans ma poche. Ils sont dans ta poche. Mmh. Ils n'ont rien à foutre dans ta poche. Mais déjà, au moins, tu sais où c'est déjà pas mal. Mais bon, à un moment donné, tu les cherchais partout. Attends, c'est des diamants, hein. Jocelyn, retourne voir le chien. Le chien, c'est la pendule, posée sur la cheminée. Voilà. Refaites-moi la poubelle comme vous me l'avez faite. Refaites la poubelle. En plus, c'était de la cantine. Hein. Ah, ça sent. Mais ça pue vraiment. Hein. Non, il n'y a pas de diamant, là. Cherchez bien. Eh oui, il faut mettre les mains dans la merde. Allez, plus c'est dégueulasse, normalement, vous êtes tombé dessus. Bon, on arrête. On arrête. Alors ça, c'est tout à fait classique. Voilà. On regarde dedans. Et voilà. On regarde jamais autour. Et encore quoi ? Encore 100 000. Bon, par contre, maintenant, on remet. Hein. Vous êtes passé quand même à côté de pas mal d'argent. Ouais. OK. Sébastien, le stagiaire responsable du dispositif, n'est pas très fier de lui. Ah, c'était mauvais. C'était pas bon du tout. Non. Parce que des petits oublis juridiques au tout début, et puis après, voilà, on n'a pas trouvé plein de choses, donc c'était pas bon. Retour à Paris. Ce matin, Philippe a rendez-vous avec un aviseur. Dans le jargon des douanes, un aviseur, c'est un informateur. Celui que Philippe va retrouver lui a permis de mettre la main sur un collier exceptionnel. Une pièce magnifique sertie de 414 diamants, entrée illégalement en France par des trafiquants qui avaient tenté d'échapper aux taxes et qui ont dû régler une amende de 815 000 euros. Pour l'aviseur, c'est aussi une bonne affaire car aux douanes, les informateurs sont rémunérés. Sur cette affaire, donc, suite à la saisie du bijou, l'aviseur aura touché presque 30 000 euros. Et donc là, aujourd'hui, vous allez lui donner combien ? Il n'y a pas beaucoup. Combien, là ? Il y a environ 2 000 euros. 2 000 euros et surtout les fameux 2 euros. Hein, comme quoi l'administration fait des choses bien, il y a 2 euros. Voilà. Hein, voilà, on a les 2 euros en plus, on est vraiment au centime près. Donc tout va être donné tout à l'heure à notre aviseur qui, en contrepartie de l'argent qu'on lui rend, va nous signer un reçu, mais où son nom n'apparaît absolument pas. Tout est anonyme, il a un numéro, et il n'est connu pour l'administration que sous ce numéro. Les montants versés aux aviseurs ne sont pas calculés au hasard. Le code des douanes est même d'une précision rigoureuse. La prime n'est basée que sur l'amende. Un tiers de l'amende revient à l'aviseur. Mais pour les affaires exceptionnelles, comme celle du collier, le tarif est différent. C'est le douanier lui-même qui négocie le montant de la récompense avec son informateur. On va discuter si c'est un camion de cigarettes, si c'est 100 kilos de cocaïne. Une discussion va s'engager. Et là, on va voir le prix qu'on peut acheter. Hein, et c'est vraiment une discussion des fois de marchand de tapis. Mais pour moi, c'est plus du commerce que de la balance. Midi, c'est l'heure du rendez-vous avec l'aviseur. Pour garantir son anonymat, nous ne filmerons pas la remise de l'enveloppe. Aviseur, un métier qui peut rapporter gros, mais qui peut aussi coûter très cher. Cet homme en sait quelque chose. S'il a du mal à marcher, c'est que ses chevilles sont entravées par une chaîne. Nous sommes le 5 août 1997. Un tribunal canadien vient de condamner Marc Fievé à la prison à perpétuité. Pour les autorités canadiennes, ce Français serait un baron de la drogue. En fait, il collaborait avec les douanes françaises depuis près de 10 ans. Il leur avait même permis de réaliser leur plus belle saisie. Des documents officiels en témoignent.
La contribution de Marc Fievet a permis d'appréhender 18 tonnes de résine de cannabis, 150 kg de cocaïne et d'arrêter 97 personnes. Comment Marc Fievet en est-il arrivé là? A-t-il joué double jeu ou a-t-il été tout simplement lâché par les douanes françaises? Voici l'histoire d'une collaboration qui tourne mal, très mal. Tout commence en 1987. À l'époque, Marc Fievet coule des jours heureux dans la marina de Gibraltar avec sa femme et sa petite fille. Son nouveau bateau, le Windara, lui a coûté cher. Il cherche un moyen de gagner de l'argent. Un voisin lui explique alors le fonctionnement de la douane française. Marc Fievet entre en contact avec les douaniers et leur propose de leur livrer des informations moyennant finances. Et des informations, Marc Fievet n'en manque pas. Gibraltar est une plaque tournante de tous les trafics. Situé à l'extrême sud de l'Espagne, le rocher est à quelques encablures seulement du Maroc, le principal pays producteur de haschich. Marc Fievet sait que des quantités énormes de drogue transitent dans la marina. Les douanes françaises le recrutent aussitôt. En 1988, il devient donc aviseur. Son nom de code, NS55. Son fils Franck avait 15 ans à l'époque où son père infiltrait les réseaux de drogue de la Costa del Sol pour le compte des douanes. Alors mon père s'était engagé à remonter le plus d'informations ciblées sur les trafics qu'il voyait se monter, en échange de quoi la douane le rémunérait selon un pourcentage à hauteur des saisies opérées par la douane. Très vite, le nouvel aviseur se montre d'une efficacité remarquable. Sur son répertoire, il consigne les noms de tous les bateaux qui lui semblent suspects, sans oublier de noter les horaires de leurs allées et venues. Régulièrement, les douanes lui envoient par fax les photos des trafiquants présumés. Marc Fievet enregistre les visages et prévient la douane à chaque fois qu'il repère un suspect. Comme tout agent infiltré digne de ce nom, Marc Fievet doit aussi se trouver une couverture, c'est-à-dire une activité honorable pour ne pas éveiller les soupçons. Il achète cette pizzeria située près de Gibraltar, et ce, avec l'aide de la douane, comme en atteste le bail de l'établissement que nous nous sommes procurés. Au bas de ce document, deux signatures. Celle de Madame Fievet, l'épouse de Marc, mais aussi celle de Christian Gattard, le douanier avec lequel Fievet collaborait à l'époque. Après la surveillance et les petits trafics, Marc Fievet passe à la vitesse supérieure. Il infiltre des organisations mafieuses d'envergure internationale. Avec ses bateaux, des cargos de plus en plus gros, il transporte d'énormes quantités de drogue pour le compte de ces organisations. Un jeu dangereux, peu à peu l'aviseur se retrouve impliqué dans le trafic, toujours avec la bénédiction des douanes. Il était payé en fait à hauteur d'un pourcentage selon le montant des saisies. Et puis deuxièmement, il se payait aussi sur la bête, comme disait la douane à l'époque. Parce que sur les deux dernières années de son activité, la douane reversait très très peu à mon père. Il lui disait de toute façon, t'inquiète pas, tu te payes sur la bête. Ce qui veut dire que mon père transportait de la drogue. La douane savait pertinemment qu'il y avait ces transports de drogue, mais il n'intervenait pas pour saisir la marchandise. Il la laissait passer. Et sur ces trafics en question, mon père était payé. Du coup, par les trafiquants. Et de l'argent, Marc Fievet en gagne beaucoup. En 1990, il est approché par un parrain du narcotrafic, Claudio Locatelli, un homme dangereux soupçonné d'être un intermédiaire entre la mafia italienne et les cartels colombiens. Marc Fievet va travailler pour lui. Il transporte des quantités de drogue impressionnantes. Petit à petit, il devient même le bras droit de Locatelli. Mais le parrain de la drogue se méfie. Locatelli avait des doutes sur mon père parce qu'il avait remarqué qu'il y avait beaucoup de transports de drogue qui étaient saisis, des transports de drogue qui étaient indirectement ou directement liés à mon père. Et d'ailleurs, une fois, Locatelli avait dit à mon père « C'est bizarre, Marc, vraiment, tu n'as pas de chance. » C'était, une allusion très forte au fait que mon père était informateur. Et pourtant, en février 1994, Marc Fievet affrète encore un cargo pour le compte de Locatelli. Dans les cales, une quantité incroyable de cocaïne, plus de 5 tonnes. Valeur marchande, plus d'un milliard d'euros. Destination l'Amérique du Nord.
Mais le voyage tourne court, le cargo est arraisonné au large du Canada. Les autorités canadiennes viennent de réaliser la saisie la plus importante de leur histoire. Elles sont persuadées d'avoir mis la main sur un des plus gros bonnets du narcotrafic. Et pour cause, bizarrement, Marc Fievé ne révélera jamais son statut d'aviseur des douanes françaises. Il faut savoir qu'au Canada, juste quelques jours avant son procès, il reçoit la visite dans sa cellule de trois hauts fonctionnaires français qui lui disent « Marc, dans cette affaire, tu n'emmerdes pas les Canadiens, tu plaides coupable et ensuite nous organisons ton transfert en France et ta libération rapide une fois le retour au pays. » En France, c'est le tribunal de grande instance de Bobigny qui est chargé de traduire le jugement canadien en droit français. La douane révèle alors la véritable fonction de Marc Fievé. Pour preuve, ce document signé Jean Puonce, directeur interrégional de la DNRED. Il confirme bien que Marc Fievé a été un informateur régulier de l'administration des douanes. Mais curieusement, le tribunal ne va pas tenir compte de ce document. Au lieu de retrouver la liberté, Marc Fievé est condamné à 20 ans de prison. Son dernier recours, la grâce présidentielle. Demandée à deux reprises, elle est refusée à deux reprises. Marc Fievé croupit donc en prison depuis 11 ans. Du fond de sa cellule, il a porté plainte contre la douane pour complicité de trafic. L'affaire est en cours d'instruction. Alors Marc Fievé, aviseur ou trafiquant? L'homme aurait-il joué double jeu en renseignant les douanes, mais en travaillant aussi parfois pour son propre compte? La douane a refusé de nous donner sa version des faits. Incarcéré à Val-de-Reuil, près de Rouen, Marc Fievé est un homme seul. Son fils est un de ses rares visiteurs. Le 15 janvier dernier, Franck a passé une heure avec son père au parloir. Comment ça s'est passé? Bien, je trouve en forme, toujours combatif. Je crois que mon père arrive à être patient parce que c'est quelqu'un d'hyperactif, qui multiplie les démarches, qui ne baisse pas les bras. Et il essaye de garder l'espoir, même si je sais que de toute façon, il passe par des grands moments de détresse et que son moral est vraiment oscille énormément. Avec le système des remises de peine, son père devrait retrouver la liberté en 2013. Si tel est le cas, il aura passé 19 ans derrière les barreaux. Franck va continuer à se battre pour obtenir sa libération. Avant de reprendre la route, il a tenu à saluer une dernière fois son père. Quelques jours après notre visite, Marc Fievé a été transféré à la prison de Fresnes, une des plus dures de France. Il est en grève de la faim depuis près de 3 mois.